Mesdames et messieurs, bonsoir. Dernier numéro du grand rendez-vous de cette semaine. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Le temps qu'il fera demain, samedi 3 novembre, c'est à travers la météo que je vous invite à la découvrir. Voilà, bonsoir aux populations de Nati Tengu, la belle. C'est toujours un plaisir hein, d'aller dans ces différents coins-là. Si vous ne les connaissez pas, eh bien, nous vous invitons à y faire un tour. Au menu de ce grand rendez-vous, le dernier de la semaine, celui de ce vendredi, l'espoir est encore permis pour la lagune de Cotonou. De quoi il s'agit véritablement? Le réalisateur Apollinaire Aïvodi revient sur ce plateau. On en discute avec lui, avec l'espère. On s'intéresse au business autour des funérailles au Bénin. Aujourd'hui, c'est devenu un secteur qui a le vent en poupe. Pourquoi cela? On y répond également. Festival international de la femme africaine FIFA, quelles sont les retombées? On y répond dans Horizon Culture. Vous le savez, le grand rendez-vous, c'est aussi et surtout le journal. Uvaïus Balogun est déjà là. Bonsoir Uvaïus. Bonsoir Wanyat Bello. Alors, on vous laisse pour la présentation des titres. Eh bien, dans l'édition de ce soir, nous parlerons de l'AVC, accident vasculaire cérébral, qui survient lorsque la circulation sanguine est interrompue dans une partie du cerveau et qui endommage des cellules cérébrales. Nous irons à la découverte d'un artiste plasticien, il s'appelle Patès, et son talent, c'est de laisser libre cours à son imagination pour peindre des œuvres uniques. Nous parlerons enfin des mécaniciens d'engins à deux roues, désormais ambassadeurs de bonnes pratiques routières grâce à des séances de sensibilisation sur le code de la route. Ainsi se résume l'actualité de ce soir, Agnès. Uvaïus Balogun, on a hâte de vous retrouver à 19h45 pour le journal. Mesdames et messieurs, eh bien le premier plateau à présent, nature et bien-être. Revenons sur l'agression de la lagune de Cotonou, mais avant, nous vous invitons à suivre ce reportage. Je suis né officiellement en 1885. Je fais 4,5 km de long sur 250 mètres de large. Certains m'appellent Chenal de Cotonou. Pour d'autres, mon nom est la lagune de Cotonou. Avec tout ce que je vis et supporte depuis des décennies, sachez qu'aujourd'hui, mon nom est désormais la lagune agressée. Avec le démarrage des activités humaines, ma misère aussi a commencé. Des populations de pêcheurs venues des villages lacustres de l'est du Bénin, Ganvier, Soava,
Soutianhui se rapprochèrent et commencèrent leurs activités. Ceux-ci créèrent les premiers quartiers de la ville. Le marché de Dantokpa, qui est l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest, ne cesse de s'étendre. Une agitation permanente. 20 000 stands sur 22 hectares. Plus de 30 000 usagers fréquentent tous les jours et le marché libère quotidiennement des tonnes de déchets. Voilà, vous venez donc de suivre un condensé d'extrait du documentaire Okutonu du réalisateur Apollinaire Aivodi que nous avons sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Aivodi, comment vous allez? Ça va bien. Alors, nous rappelons aux téléspectateurs que vous êtes cinéaste, réalisateur. C'est un plaisir de vous avoir aux côtés de Amandine Agnan. Bonsoir, Amandine. Bonsoir. Bonsoir à vous. C'est le bleu qui gagne ce soir? Ah oui, hein, c'est le bleu qui gagne. D'accord, on vous laisse nous parler un peu. Oui, lundi, on avait abordé la question de savoir pourquoi la lagune de Cotonou est agressée. Aujourd'hui, on va parler des solutions et de l'impact de ce film documentaire sur les populations riveraines. Monsieur Aivodi, on parlait de la dernière fois, on vous demandait ce qui vous avait motivé à réaliser un documentaire sur la lagune de Cotonou. C'est vrai. Ce qui m'a motivé à réaliser ce documentaire, c'est un constat, puisque un documentaire se base sur des faits réels. C'est un constat. Et évidemment, vu l'état aggravant de la situation, puisque la situation a commencé depuis les années 80. Moi, j'ai voyagé, je suis revenu, j'ai vu encore que la situation s'est aggravée de plus. Donc, tous les deux bords de la lagune, il y a des dépotoirs sauvages. Les structures de collecte viennent décharger ou même vendre des ordures à des propriétaires potentiels. Il y a même des sites de collecte non loin de la lagune. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, ils viennent vendre ça à 5 000 francs. Les gens s'achètent. Vous l'avez dit sur ce plateau. Ils vendent des parcelles sur l'eau. Donc, ils vendent, les gens remplissent l'eau, mettent du sable et deviennent propriétaires. Oui. Mais en pleine ville, vous vous imaginez, lorsque vous allez sur le pont, vous allez constater qu'il y a des latrines. Les gens viennent déféquer. Nous avons rencontré des médecins, des spécialistes qui nous ont parlé des problèmes. On a vu que toutes les maladies qui sont annoncées ou bien constatées dans les cliniques de la place révèlent de nouvelles maladies qui ne s'expliquent pas. Puisque dans la lagune, il y a des bactéries qui sont jetées. Il y a des produits chimiques, il y a de l'essence frelatée que les gens font passer sur la lagune et qui se déverse dans la lagune. Les spécialistes en pêche nous ont parlé qu'il y a des espèces qui ont disparu, les espèces qui ont changé de forme même. Curieusement, nous continuons de consommer ces poissons, ces crevettes malades. Certainement, c'est ces poissons malades, ces espèces malades qui donnent des maladies qu'on n'arrive pas à... Donc, en tant que cinéaste, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque pendant des années, il y a différents gouvernements qui se sont succédés, qui pensent faire quelque chose, mais avec la politique, ça ne prend pas. Il faut mettre l'accent sur, mettre le doigt sur, attirer l'attention des gouvernements, des autorités pour dire que ce que nous vivons, c'est grave. Dans d'autres pays, on va, on visite d'autres pays et on dit, ah, c'est un beau pays, c'est une belle ville, les gens, vraiment, il faut visiter, on invite à visiter. Qui peut inviter quelqu'un à visiter Cotonou dans cet état?
à visiter la lagune, la lagune de Cotonou. La lagune de Cotonou. Nous avons de belles images hein, de cette lagune-là. Si elle était plus entretenue, elle serait ravissante. Ah, bien sûr. Dans d'autres pays, le passage d'une ville avec une lagune, un fleuve ou une rivière, les autorités travaillent, réfléchissent et transforment en site touristique. Voilà. On construit des restaurants, on construit des espaces de repos, et c'est beau. C'est vrai, les différents gouvernements ont toujours eu des projets pour aménager les berges lagunaires. Ils ont commencé, mais... La suite, ça a toujours été un suspendu, peu compliqué. Suspendu. Donc, j'étais obligé de réagir, de réagir et de dire, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Le nouveau gouvernement a pris la décision d'aller dans le même sens que les autres. Maintenant, on attend de voir. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que lors du tournage de ce film, vous avez profité de l'occasion pour sensibiliser un peu les populations sur les mauvaises pratiques? Évidemment, ça fait partie des étapes. Réaliser ne suffit pas. Il faut faire passer le message. Au cours du mois de juin 2018, aux côtés du ministère du cadre de vie, nous avons organisé une quinzaine de sensibilisations. Nous avons été à Placondi. Nous avons réalisé des projections publiques. Justement, est-ce que vous avez eu un retour de cette population? Est-ce qu'ils ont vraiment pris conscience de ce qu'ils font? Est-ce qu'ils savent qu'ils sont en train de faire souffrir cette lagune, cette ressource naturelle et autres? Ces populations, je crois qu'elles n'ont pas pris conscience. Elles n'ont pas pris conscience puisqu'elles continuent de jeter des ordures, de vivre leur vie normalement. Donc, rien n'a changé. Rien n'a changé. Non. Il appartient aux autorités. Aux autorités. C'est vrai, nous sommes prêts à accompagner encore plus loin les autorités. Il appartient aux autorités de prendre des décisions. Des décisions. Toutes les solutions ont été préconisées dans le film. Parlez-nous un peu de ces solutions. Qu'est-ce qui a été proposé par les différents spécialistes? Les spécialistes ont parlé du déguépissement. Puisque les pêcheurs, ceux qui occupent anarchiquement l'espace, n'ont pas acheté de parcelles. Ils viennent d'un endroit, ils viennent de village, ils viennent de soi. Ils s'installent de façon anarchique, oui. Il faut les éloigner des berges. Est-ce que ce serait facile? Ce ne serait pas facile, c'est vrai. On est au Bénin. Et les politiciens sont toujours là. On va les exploiter, on va les mettre dans la rue. Ils vont crier. Telle personne X est louée. Donc, non. Je crois que le préfet actuel, il est en train de faire un travail. Il est en train de sensibilisation. Il passe de porte en porte pour sensibiliser. C'est ce qu'il faut pour le Béninois. Il faut sensibiliser pendant longtemps. Et après, dès qu'on prend la chicotte... Il faut sévir. Oui. Il faut sévir. Je crois que la période où il faut sévir approche. Malheureusement, les autorités vont commencer par sévir, vous allez entendre encore d'autres sons de cloche. Mais justement, est-ce que ce n'est pas par crainte parfois d'être impopulaire qu'on n'arrive pas à appliquer ces décisions? C'est vrai. C'est parce que les autorités ne veulent pas être impopulaires. Mais il faut faire quelque chose. Il faut dégager, aménager, transformer l'espace pour que ça devienne un espace touristique. Et comment soulager alors cette lagune? Parce qu'il y a les tonnes de déchets qui sont dedans. Est-ce qu'il y a un programme de dépollution, par exemple, de cette lagune? Oui, les autorités du ministère de cadre de vie nous ont parlé. Il y a un grand programme qui est en cours, qu'ils ont prévu pour. Il faut dégager les ordures, d'abord. Et dégager les ordures... C'est des tonnes d'ordures, hein. Évidemment, depuis les années 80... De logistique, est-ce qu'ils ont expliqué un peu comment ça va se passer? Je crois que ces autorités ont pris les dispositions qu'il faut. Mais c'est de l'argent. C'est un budget. Oui. Avec tout ce que le gouvernement actuel a comme programme,
J'ai peur que ce projet n'aboutisse. Oui. Mais justement, si on dépollue et que les populations continuent de vivre là, que le marché est toujours à proximité, le problème sera toujours. Justement. Exactement. Les deux marchés. Est-ce qu'il ne faut pas aller à l'origine du mal? Les deux marchés constituent des forces de frottement pour ce projet-là. Parce que tant qu'il y a des riverains, tant qu'il y a des gens qui exploitent, qui transforment, qui viennent vendre, qui produisent des déchets, et ces déchets-là se retrouvent sur les berges. J'ai appris, après avoir tourné ce film, j'ai appris que le gouvernement a pris la décision de dégager. D'envoyer dans ton pas ailleurs. Non, le marché je de ne gros. Sais pas. Le je marché ne... de gros, gros c'est pas tout c'est le seulement marché. Seulement le marché de gros, c'est pas tout le marché. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais tant qu'il y a le marché, tant qu'il y a les marchés là, il y aura toujours des problèmes de pollution. Donc les marchés Bobanou et dans ton pas constituent un véritable problème pour la lagune. Ah oui, effectivement. Tant qu'il y a des gens là, il faudrait qu'on construise des latrines pour ces populations, pour les riverains qui viennent au marché. Peut-être des poubelles aussi à tous les coins de rue. Non seulement les poubelles, il y a des bacs. La mairie a déposé des bacs qui sont remplis. Mais qu'on ne va pas chercher. On ne va pas chercher. Ils sont remplis et débordés. Débordés. Comme les populations même voient que les bacs sont débordés, elles jettent par terre, elles jettent dans la lagune et... Le problème donc, il faut la mise en place d'une bonne politique de gestion des déchets solides. Vous imaginez, dans la situation que vit la lagune, il y a des jeunes, évidemment, sans emploi, qui ont construit des latrines sur l'eau, parce qu'elles nous ont dit, les populations nous ont dit qu'il y a deux latrines publiques, mais mal entretenues. Dès qu'on va là-bas, on sent. Donc, ces populations préfèrent aller sur la libre, payer 50 francs pour déféquer. C'est grave pour notre lagune, c'est grave pour nos poissons, ce que nous consommons. Qui se retrouve dans nos assiettes. Ah oui. Ça ne donne pas envie de consommer du poisson, Amandine Ayoboussou. Vraiment, ça ne donne pas envie. Maintenant, Monsieur Ayivoji, pour refermer cet entretien, globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce film documentaire et qu'est-ce que vous avez à dire aux populations et aux autorités? Oui. D'abord, est-ce que l'espoir est vraiment permis? Voilà. Parce que c'est déjà ça. Moi, j'ai peur. Vous n'avez pas l'espoir? Non. Mais avec la sensibilisation, on peut aller. Il faudrait que ce gouvernement fasse quelque chose. Mais j'ai confiance en ce gouvernement. Et je soutiens à 100% ce gouvernement tout en mettant des réserves. Oui. Il faudrait qu'on agisse, parce que c'est vrai, on a vu que Cotonou se transforme petit à petit. Il faut faire quelque chose aussi pour la lagune. Il faut dégager les populations. Elles sont déjà au courant, elles savent. Puisque quand on allait, avant de les convaincre, on dit que c'est le président Talon qui nous a envoyés. Et que le président Talon souhaite qu'on recueille, qu'on prenne leur avis. Et que, bon, bref, elles nous ont accepté. Et on a fait tout le travail normalement. Elles ont dit d'aller dire au président Talon de voir la chicotte et l'enfant. C'est-à-dire, Tofino reste toujours au bord de l'eau. Si on doit les dégager, d'aménager des parties au bord de l'eau, mais de quelle eau? De quelle rivière? De quelle lagune? Bon, je crois que c'est avec le dialogue que quelque chose peut être fait. Mais il faut faire quelque chose, puisque tous les spécialistes, sont unanimes. Les Béninois qui ont voyagé, qui ont vu de beaux paysages ailleurs, là où il y a des lagunes, ont témoigné. Ils soutiennent qu'il faut dégager. Merci Apolline Ayivoji. Nous rappelons que vous êtes cinéaste, réalisateur. Merci d'avoir partagé avec nous justement votre opinion sur cette lagune-là, cette lagune qui a agressé. Amandine Ayivoji, c'était un plaisir. On vous retrouve la semaine prochaine. Le plaisir est partagé. On se retrouve lundi. Alors, toujours avec le même plaisir, nous passons à présent au prochain plateau expert. Voilà, Christelle Sagboran est à la réalisation de ce grand rendez-vous. Merci de nous accompagner, Christelle Sagboran. Le plateau expert à présent, nous avons à nos côtés Bernard Raymond Arwandinou. Bonsoir. Raymond Bernard Arwandinou. Raymond Bernard, vous préférez le son Saint-Vest. Raymond Bernard Arwandinou. Voilà. D'accord, on a compris, vous êtes docteur en sociologie.
Alors avec vous, nous allons parler des funérailles au Bénin quand le business prend le dessus. Avant tout, hein, déjà d'un point de vue sociologique, comment est-ce que les Béninois perçoivent les funérailles? Merci beaucoup, madame. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous autour de cette problématique. Avant d'en arriver à votre question, je voudrais quand même qu'on clarifie un peu le contour des cérémonies funéraires. En fait, je ne vais pas dire à l'origine, c'est ce que c'est ce que ça devait être. Les cérémonies funéraires ont vocation à rendre un dernier hommage au dépouillus, donc à la personne qui est partie, qui est passée de vie à trépas. Et en fait, cet hommage-là symbolise qu'on a eu une perte, la perte d'un être cher, et on est venu accompagner la famille du défunt vers la dernière demeure et partager par la même occasion la peine de cette famille-là. Alors, la question qui se pose, c'est comment est-ce que on est passé du compagnonnage par rapport à la peine, au partage de la peine de la famille, à une forme de monétarisation du défunt. En oui. fait, c'est bien ça. Oui. Je dois dire hein, qu'à l'origine, il y a des rites funéraires. D'accord. Les rites funéraires sont connus, sont toujours respectés. Oui. D'accord? Mais à côté des rites funéraires, c'est comme si l'inconscient humain a réalisé que d'une façon ou d'une autre, on peut aussi en faire une filière. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous assistez à ce que je peux appeler de la monétarisation du mort. Justement, quand on parle d'une filière, ça part déjà hein, de l'instant où le défunt rejoint l'éternel pour les plus croyants. Ça part déjà de la morgue. Après la morgue, le corbillard, le cercueil, tous ceux qui vont participer aux réjouissances. Aujourd'hui, parfois, quand vous vous intéressez à ces personnes-là qui perdent leurs parents et qui vous parlent, vous êtes peinés. Ils sont parfois contraints de vendre leurs biens pour pouvoir enterrer. Est-ce qu'on devrait arriver à ces extrémités? On ne devrait pas. Mais c'est vrai que fort de la dynamique sociale, on observe une certaine représentation. Aujourd'hui, vous imaginez, on est en porte-à-faux entre les décisions pour satisfaire la famille et satisfaire surtout son environnement professionnel. Il y a une expression qu'on utilise un peu chez nous, dans nos langues, « minawadwa gwanawe ». C'est-à-dire que, certes, tu as perdu un être cher, mais par la même occasion, on voudrait aussi quand même se retrouver, festoyer ou célébrer un peu. D'accord. Voilà. Quand on parle de culture, je pense que ça évolue d'un pays à un autre, parce que sous d'autres cieux, c'est plutôt ceux qui viennent vous saluer, qui viennent avec quelque chose, avec un peu de repas, un peu d'eau, un peu de boisson, toujours pour vous soulager et permettre à la famille, pendant cette période de deuil, de ne pas s'inquiéter de sa gestion du quotidien. Mais ici, c'est autre chose. C'est plutôt vous qui les recevez royalement, mais cela aussi ne va pas sans les enveloppes qui sont parfois attendues et avec beaucoup d'intérêt. Tenez, je vous donne un exemple. J'ai mis quelques étudiants sur cette thématique-là. Vous imaginez que pour enterrer un mort, le minimum aujourd'hui va de 3 millions jusqu'à 20 millions. C'est-à-dire que lorsque vous investissez 20 millions de vous à moi, vous ne pourrez pas rentrer dans cette somme-là. Ça dépend peut-être du poste que vous occupez. Si vous êtes quelqu'un de très connu et que tout le monde cotise, je ne sais pas, 10 000 ou 20 000 pour vous. Vous savez, ce n'est pas toujours évident. Est-ce qu'on devrait même regarder à ça? Est-ce qu'au moment où on se met dans la dynamique qu'on veut enterrer son parent, est-ce qu'on doit penser au retour sur investissement? Là, vous me demandez de poser un jugement de valeur. En principe, non. Mais comme il se fait que ça participe aussi d'une certaine monétarisation, on se dit que plus on investit, plus on rentrerait dans ces fonds. Je vous donne un exemple. Il y a un témoignage qui participe d'une certaine collecte de données où un monsieur qui, lorsqu'il vivait, avait de la peine réellement à joindre les deux bouts. D'accord? Où on l'aidait souvent avec quelques piècettes. Monsieur-là est décédé. Et du vendredi au lundi, il y a eu des cérémonies, des bâches et tout le Bataclan, comme vous pouvez vous en rendre compte. Mais la collecte de données
par le biais d'un entretien, a révélé que la famille a été obligée d'aller vendre les rares parcelles dont disposait ce monsieur-là. C'est vous imaginez à quel point le problème est avancé ou évolué. D'accord. Au point où finalement, en fait, et c'est là l'une des questions qu'on peut se poser, la vie est-elle pour nous aussi chère que la mort? Ou la mort pour nous vaut-elle a-t-elle plus de prix que... Alors, je vais vous demander pour les téléspectateurs, vous vous demandez certainement si est-ce que ces enfants auraient pu vendre ces parcelles pour sauver peut-être la vie de leurs proches plutôt que de vendre ces parcelles pour l'enterrer. Si, ça, a priori, ça coule de source, ça va de soi. On est censé tout faire pour préserver la vie. Une vie humaine. Mais généralement, qu'est-ce qu'on fait? On ne se gêne pas outre mesure ou à un moment donné, on se dit, bon, ce qu'on a fait jusque-là, ça peut aller. Mais quand le monsieur s'en va, vous imaginez la batterie monétaire qui est mise en œuvre au point où on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous donne une autre illustration. La monétarisation de la mort ou du mort est tellement avancée. Lorsque vous chiffrez un peu de la morgue, du caveau, du cercueil, des festivités, vous vous demandez si le mort a demandé tout ça. Et rien que pour ça, on est prêt à laisser le défunt à la morgue peut-être pour 1 an, 2 ans, le temps d'amasser suffisamment de moyens pour pouvoir le faire. Et ça ne dérange pas qu'après ça, on retourne à son quotidien où c'est difficile de joindre les deux bouts. Mais comment est-ce qu'on en est véritablement arrivé là? Est-ce que nos ancêtres enterraient leurs parents comme ça? Parce qu'aujourd'hui, dans notre famille, on vous dit, si tu n'enterres pas royalement ton père ou ta mère, à la fin, tu ne t'en sortiras pas. Alors, sur le plan scientifique, je vais dire qu'en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Nos sociétés sont amenées à évoluer fort d'une certaine dynamique sociale. Oui. D'accord? Mais la question qu'on pourrait se poser, comme vous le dites là, est-ce qu'on est obligé d'en faire autant? Oui. Est-ce qu'on est obligé d'en faire autant? Parce que vous vous rappelez au début de mon propos, je disais, l'objectif, c'est de pouvoir accompagner la famille qui vit une douleur. Oui. Tenez, j'ai perdu un proche, je vis une douleur, mais on vient festoyer, oui. On vient faire une célébration. Oui. Ce qui fait que, en fait, l'une des explications, c'est la représentation sociale qu'on a, en fait. La représentation sociale, parce que finalement, on ne regarde plus le mort, mais on regarde le parent du mort. Mais monsieur, vous êtes un grand DG quelque part, vous êtes, je ne sais pas moi, un ministre quelque part. Il lui fallu quand même que vous puissiez démontrer votre puissance financière. Mais voilà. Justement, est-ce que ceux qui sont concernés ne craignent pas le fait de devenir des parias s'ils ne font pas comme tout le monde? Si pendant longtemps, Patrick a peut-être perdu son grand-père, je suis allée manger pour lui. Quand je perds le mien, il veut aussi venir s'asseoir et manger royalement. C'est bien ça, hein, je suis d'accord avec vous. Mais à un moment donné, il y a un cercle vicieux qui commence par naître. Parce qu'on se dit, j'ai fait pour moi, lui aussi doit faire autant. Oui. Et même niveau. Plus. Et même plus, premier niveau. Second niveau, c'est que, et là je rentre un peu dans les motivations d'ordre sociologique, on se dit, pour une certaine estime de soi et pour une certaine reconnaissance sociale, il faut quand même faire un minimum pour que mon parent que j'ai enterré demain, mes collègues ne me disent pas au boulot, ben, toi tu n'as pas fait grand chose. Hein? Toi tu n'as pas fait grand chose. Mais voilà. Est-ce qu'il est souhaitable que les puissances publiques s'intéressent à la chose de façon à réglementer et qu'on évite un peu les dépenses ruineuses et qu'on retombe dans les travers justement de cette société qui nous amène à entourer des funérailles d'un business? Ce serait d'un bon aloi en ce sens que vous imaginez la sauvegarde des libertés publiques. Qu'est-ce que je veux si je vais m'endetter pour célébrer un mort et dans les mois qui suivent, je ne suis pas capable d'assurer des frais d'écolage de ma famille. La notion de bon père de famille en droit, il lui fallut quand même que l'État commence par, non pas à réglementer, mais je dis que l'État commence par régenter un peu ce secteur. Régenter. Carrément, pour qu'on puisse voir
la manifestation de la puissance publique. Est-ce que l'État aussi ne gagne pas? Parce que quand on vous dit qu'à PK 14 aujourd'hui, pour pouvoir enterrer son parent, vous êtes aux alentours de 600 000 francs. Au cimetière d'Akpakpa, on est déjà autour de 1 million. Je me dis qu'à un moment ou un autre, il faut dire que les autorités publiques aussi savent qu'enterrer son parent aujourd'hui au Bénin, ça coûte énormément. Soit, vous me l'apprenez tout à l'heure, un caveau qui va jusqu'à 1 million. Et là, je me demande si enterrer son parent ne devient pas un luxe, finalement. Mm-hmm. Au point où on se demanderait si... C'est peut-être parce qu'il n'y a plus d'espace dans ces différents cimetières aussi. Oui, et qu'on peut-être. Ne veut pas aller enterrer très loin son parent. Pourquoi on ne va pas loin? A priori, je ne vois pas ce qui empêche. Comme on dit chez nous, ce qui est arrivé est déjà arrivé. Ce qui est arrivé est déjà arrivé. Moi, je pense en termes de perspective qu'il faut réellement qu'il y ait un certain cadre autour de cette thématique-là. Un cadre législatif. Il y a quand même eu déjà une tentative. C'est vrai qu'il y a eu des tentatives, mm-hmm. certes, pas très fructueuses. Donc, cadre législatif surtout, mais au demeurant, en fait, c'est quoi? C'est de l'imaginaire social que naissent nos comportements, soit bons ou mauvais. D'accord. Donc, que ce même imaginaire social puisse revenir à une certaine conscience. D'accord. Il faudrait que les téléspectateurs se rendent compte qu'on ne remet pas en cause le soin qu'on pas met à enterrer nos parents. Mais si vous pouvez acheter un cercueil simple, je ne sais pas, peut-être à 10 000 francs, et que vous préférez prendre un cercueil en marbre qui coûte peut-être 2 millions, 3 millions, il va peut-être falloir revoir sa priorité, n'est-ce pas? Absolument. Chacun est libre d'enterrer son mort comme il le veut, comme il entend, mais en sachant aussi que ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Voilà. Merci, Monsieur Raymond Bernard Ahondino. Nous rappelons que vous êtes docteur en sociologie. Avec vous, nous nous sommes intéressés au business qui prend le dessus au niveau des funérailles ici au Bénin. C'est terminé pour le plateau d'Espère. On passe à présent à Horizon Culture. Voilà, Horizon Culture, notre invité est déjà à nos côtés, Abdulrahman Sana. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur du Festival international de la Femme Artiste. Merci. Et vous êtes en train de préparer justement ce festival-là, le Festival international de la Femme Artiste. Oui. D'accord. Déjà, dites-nous, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous spécifier uniquement aux femmes artistes? Merci. Le Festival international de la femme artiste est né d'une situation ou d'un constat qu'on a ciblé là où nous trouvons, c'est-à-dire dans le département du Borgou. Moi, je suis précisément Parakou et le festival se tient toujours à Parakou. D'accord. Alors, en matière d'art, de façon générale au Bénin, nous accusons un peu de retard, surtout dans notre département, et la femme n'existe pratiquement pas dans ce domaine. Est-ce parce qu'elle n'est pas dedans ou parce qu'elle n'est pas assez représentée? Il n'y a même pas un lieu pour se former. D'abord, parce que l'art, c'est d'abord un métier qu'il faut apprendre avant d'exercer comme profession. Alors, je prends un exemple d'où je suis parti, je prends la musique. De façon générale, au Bénin, l'école qui forme en musique, c'est les églises. Mmh. C'est de l'église qu'on va et puis voilà. Au niveau des chorales. Des chorales, voilà. Et à Parakou, c'est à peu près de 80% musulmans. Vous n'avez pas un lieu où il faut apprendre. Et vous allez constater tous les hommes que vous trouvez dans les orchestres qui viennent des églises. C'est difficile de trouver quelqu'un, une personne qui s'est formée de lui-même. Du milieu, qui fait la musique, qui peut chanter. D'accord. Enfin, tu le retrouves devant le micro, mais sur un instrument. On a de grands chanteurs qui nous viennent du Nord. Chanteur, d'instrumentiste, si je vous l'ai dit. Oui. Parce qu'il faut la musique, comme je l'ai dit, chanter aujourd'hui peut faire par tout le monde, on retrouve là. Mais celui qui connaît la musique, vraiment, c'est d'abord qui maîtrise les instruments. Les notes. Alors, vous pouvez trouver un groupe de fanfare, paracou, bien machin. Quand vous regardez ceux qui sont sur les instruments, ils viennent des églises. Ils viennent des églises, pas du tout. Et la femme n'existe pratiquement pas. Alors, donc, je me suis dit, il faut relever ce défi à partir du théâtre,
de la danse. Parce que dès que c'est la femme... Même la danse, même, on voit quand même au nord des femmes non, qui dansent, si, peut-être des danses traditionnelles. Des danses traditionnelles, surtout, non, tout doit partir de là. Oui. Et comment? C'est toujours à la forme... lors des cérémonies. Oui, lors des cérémonies. Pas, y a pas d'autre, pour en faire c'est un métier. Pas, pour en faire même un spectacle, pas du tout. C'est un baptême, c'est un mariage, on va, on se retrouve et on fait. Et donc, alors, il faut valoriser, sortir. C'est un patrimoine qu'il faut sauvegarder. Donc, il faut travailler. Donc, d'où nous avons commencé d'abord par créer un ballet. Et après ça... Et dans le ballet, il n'y a que des femmes? Non, femmes et hommes. Femmes et hommes. Alors, mais au niveau de la musique, on s'est dit non, il faut les femmes. On ne veut pas faire avec les hommes. Il y a les hommes, ils sont partout. Et d'où nous avons créé, et au Bénin, si vous allez parler d'orchestre féminin, c'est à Parakou. Oui. On n'a que des femmes, on forme toujours. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas qu'on arrive à les avoir parce qu'on ne peut pas parler de tous les problèmes de la femme, mais c'est complexe. Mais c'est aussi la disponibilité. Non. La femme n'arrive pas toujours à gérer. Non, non seulement ça. Je ne sais pas, ça peut paraître comme insulte, mais je me suis dit, peut-être qu'elle aime un peu la facilité. La parce femme que, oh, parce que apprendre l'instrument, ce n'est pas pour rien que vous ne voyez pas. Les femmes, vous les voyez mais au micro. Il faut aussi de l'énergie. Quand on voit celui qui tape, est-ce que la femme a autant de force aussi? Quand on parle d'égalité, la femme est capable de tout. De tout faire. De tout, ça là. Et c'est sur ce terrain qu'on vient pour combattre, pour vraiment... On ne va pas seulement... pas. Mais est-ce qu'elles sont intéressées par ce que vous leur proposez véritablement? Oui, c'est un travail, ce n'est pas si simple. Mais... Puisque l'orchestre, nous avons commencé de zéro, hein, et puis aujourd'hui elle existe, elle joue comme des hommes, elles accompagnent des hommes, elles accompagnent des femmes. C'est déjà, pour moi, c'est pari gagné au moins. D'accord. Alors on s'est dit, il faut trouver quand même un creuset pour les regrouper. Pas seulement les femmes du département, pas du Bénin seul, comment faire regrouper les femmes d'Afrique et du monde à Parakou. Parce que notre ville, Parakou, aujourd'hui, se prépare à être la deuxième ville. Et les autorités s'acharnent pour ça. D'accord. Il n'y a pas de grande ville sans événement. Il faut créer, il faut avoir... Et là, pour moi, c'est un peu... Excuse-moi, je vais vous dire, parce que c'est difficile pour nous quand nous parlons de l'art, les gens, les financiers, ou bien parce que c'est la politique qui gère tout. Et, on ne trouve pas ça rentable. On va vous dire, mais qu'est-ce qu'on gagne? Oui, justement, pour pouvoir des la boussole, qu'est-ce qu'on gagne? Ce qu'on dit, la boussole du développement, c'est d'abord l'art. C'est comme une cuisine. La cuisine, vous voyez la cuisine, il y a un frigo, il y a la viande, il y a tout dedans classé. Il y a un condiment à qui on ne taille pas d'importance. Mais qui est important? Qui est très important, c'est le sel. Oui. L'art, c'est le sel. L'art, c'est le sel de la vie. De tout développement et de la vie. Sans ça, ce que vous avez mis dans le frigo, tout n'a pas de goût. D'accord. Et c'est aussi ça, la femme. Alors, ça fait déjà un certain nombre d'années, je suppose. Hein, oui, nous avons commencé, la première édition, c'était en 2010. Et nous sommes le 7 décembre prochain, nous allons... commencer la 9e édition et chaque fois nous regroupons, c'est la femme sur scène, ce n'est que des spectacles. Alors, de par ces éditions passées là, quel a été le constat? Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'en Afrique, on a beaucoup de femmes artistes qui vivent véritablement de cet art? Si, on a beaucoup d'artistes. Et quels sont les problèmes? Elles sont toujours englouties dans les hommes, c'est-à-dire elles ne sortent pas. Vous voyez. Si vous voyez un orchestre aujourd'hui, vous verrez 10 hommes, à peine 2 femmes qui sont au micro. Donc elles ne sont pas vues, elles ne sont pas visibles. Alors par ce festival, on essaie de mettre uniquement que des femmes le théâtre, art culinaire, l'art pratique, tout. Même et tout. Au niveau de l'art culinaire, on n'a pas assez de femmes. Si, non, on va nous dire que c'est le domaine de la femme. Mais la cuisine, c'est le domaine de la femme. Oui, mais l'art culinaire, nos mets traditionnels, hein, beaucoup sont là, ils peuvent te faire des couscous, des salades, mais ils ne peuvent pas te faire, comment dit-on, le kouka, par exemple, que vous-même, vous pouvez ne pas connaître, les feuilles de baobab, la sauce, si. Comment faire avec. Si, oui, si. Nos mains, nos machins, on laisse ça. Vous allez voir que beaucoup de femmes oublient et on se contente des nouveaux mets plus faciles à cuisiner. Donc voilà, c'est...
l'objectif du festival. D'accord. Et aussi les thématiques qui cadrent, qui touchent la sensibilisation, c'est-à-dire par rapport, parce qu'à chaque édition, nous avons des thèmes que nous développons. Mm-hmm. Hein, il y a la violence faite aux femmes. Cette année, c'est sur ça. La violence faite aux femmes. Et tout se retrouve, quand vous voyez dans les sondages... Est-ce qu'il y a peut-être un aspect que vous auriez peut-être dû prendre en compte, j'aimerais partager ça avec vous, est-ce que ce n'est pas aussi le regard de la société sur ces femmes artistes-là qui fait qu'il y en a qui sont réticentes à aller vers ce corps de métier? Oui, c'est pour ça que le festival est là, pour quand même essayer de sortir la femme de cet enclos-là. Parce que vous voyez, quand vous prenez une femme, ce n'est pas facile. Vous voyez, même sur le plateau, on voit la femme, on voit l'homme qui regarde plus que les autres femmes. Quand je regarde la femme, déjà, d'autres idées peuvent se passer beaucoup dans la tête. Mais pourvu que ça soit positif. Si c'est négatif, c'est dangereux. Alors, pour nous, quand on voit une femme, tu vois, c'est difficile de dire, c'est ma femme qui est chanteuse, on te dit, oh non, c'est là, ou bien on retrouve la débauche derrière les femmes. Oh, les hommes, on ne retrouve pas ça. Et la femme, même dans un groupe où il y a 10 hommes, vraiment, elle risque d'être jetée par tout ce qui peut venir. Donc, nous voulons faire en sorte qu'elle se retrouve vraiment dans ce métier où elle peut accompagner elle-même les hommes, elle peut s'imposer. S'il s'agit des peintres, de la peinture qu'on retrouve, les femmes sont dedans, mais de façon isolée. D'accord. Mais à la longue, que gagne la femme véritablement et à adopter plutôt ce style de vie-là que vous préconisez? Quand on les regroupe, la femme sénégalaise qui arrive et qui joue le tam-tam que peut-être à notre niveau ici ou bien de façon traditionnelle, les hommes vont se dire « la femme ne joue pas ». Ça permet à nos femmes de comprendre que la femme vraiment peut jouer et de façon propre. Donc, l'échange l'a fait. Ce brassage l'a fait en sorte que les femmes se sentent mieux et se disent on peut aller plus loin, on est capable, pourquoi pas nous. On ne peut pas rester derrière, on ne peut pas rester dans un orchestre et dire on va seulement chanter. Non, nous pouvons prendre le devant. Au théâtre, nous pouvons. Ce n'est pas forcément la femme seule, mais dans le lot, il faut qu'il soit visible. D'accord. Alors nous créons l'événement, ce plateau, pour permettre aux femmes de montrer ce qu'ils savent faire à la population. Alors ce festival s'adresse à quel public particulièrement? De façon générale, d'abord, cible les femmes. D'accord. Parce que quand les femmes voient les autres femmes, leur niveau, ce qu'elles font, l'échange, ça leur permet de savoir que ce qu'elles font, ce n'est pas la débauche, c'est un métier qu'il faut respecter, qu'il faut imposer. Et les maris ou les hommes peuvent savoir que non, ce que ma femme fait, non, ça peut se faire, ça peut se faire, c'est ici que vous ne comprenez pas, c'est un métier. Mm-hmm. Parce que vous avez les musiciens qui sont mariés, qui ont des enfants, qui vivent, qui nourrissent. Et pourquoi pas la femme? D'accord. Donc, c'est... Alors, en termes de retombées, on peut dire que ce festival prône une émancipation de la femme artiste. Très bien. Une émancipation de la femme de façon générale et la femme artiste de façon particulière. Merci à vous, Abdulrahman Sana. Nous rappelons que vous êtes le directeur du Festival international de la femme artiste. Et avec vous, nous avons parlé justement de ce festival-là. Quelles sont les retombées? Mesdames et messieurs, c'est fini pour le plateau Horizon Culture. L'heure du journal a sonné. Uvaïs Balogou s'impatiente dans son studio. Nous le laissons pour la présentation du journal. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer deux concepts importants. Le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets
plastique. Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil du temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. C'est une urgence médicale, l'AVC. Il survient lorsque la circulation sanguine est interrompue dans une partie du cerveau, endommageant ainsi des cellules cérébrales. Il s'appelle Patès, est artiste plasticien. Il mélange collage et peinture et laisse libre cours à son talent, à l'imagination selon l'émotion qu'il veut véhiculer. L'usage des bonnes pratiques routières passe par une forte sensibilisation des différents acteurs, dont les mécaniciens d'engins à deux roues. Ils deviennent des ambassadeurs du respect du code de la route. Aujourd'hui, 2 novembre, la communauté chrétienne célèbre la fête des morts. Après avoir célébré tous les saints hier, 1er novembre, les catholiques prient pour leurs défunts en ce jour. Dans la lumière de la Toussaint, cette journée est pour les chrétiens l'occasion d'affirmer et de vivre l'espérance en la vie éternelle donnée par la résurrection du Christ. Le 1er novembre correspond à la fête religieuse de la Toussaint qui, comme son nom l'indique, fête tous les saints de l'Église catholique. Mais le 2 novembre, fête des défunts est plutôt celle de la vie pour les catholiques. L'accident vasculaire cérébral, AVC ou attaque cérébrale, est une défaillance de la circulation du sang qui affecte une région plus ou moins importante du cerveau. Il survient à la suite de l'obstruction ou de la rupture d'un vaisseau sanguin et provoque la mort des cellules nerveuses qui sont privées d'oxygène. Il n'y a pas de signe précurseur, mais sa survenue laisse des séquelles, notamment la paralysie des membres inférieurs et supérieurs. Enoch Rumpati et Gisla Mbonou pour plus de précisions. Les accidents vasculaires cérébraux constituent aujourd'hui un problème majeur de santé publique. Ils sont la première cause de décès selon l'Organisation mondiale de la santé. L'accident vasculaire cérébral est une atteinte brutale au niveau du cerveau, due soit à l'occlusion brutale d'un vaisseau ou à l'éclatement d'un vaisseau, auquel cas, eh bien, ça donne lieu à une hémorragie. Les AVC touchent chaque année 15 millions de personnes dans le monde. Plus de la moitié d'entre elles en meurent ou souffrent d'incapacité permanente. Les facteurs de risque sont multiples. Le facteur de risque le plus puissant, le plus malfaiteur, si je puis ainsi m'exprimer, c'est l'hypertension artérielle. Non contrôlée. Mais c'est aussi le diabète. C'est aussi le tabagisme, c'est aussi l'obésité, c'est également la sédentarité et puis l'excès de graisse dans le sang. Sans oublier bien sûr les facteurs sur lesquels nous n'avons aucune emprise, c'est-à-dire le vieillissement. Pour être à l'abri de ces tueurs silencieux, la prévention est fortement recommandée. La prévention passe par la sensibilisation d'abord donc de la population sur la nécessité, par exemple, de contrôler sa tension une à deux fois l'an. 30 minutes d'activité physique, notamment la marche rapide, une fois par jour, tous les jours, ça apporte énormément de bénéfices au niveau de la santé cardiovasculaire. Sont aussi pointés du doigt notre alimentation et notre mode de vie. Se rendre chez son médecin cardiologue pour un contrôle périodique
réduirait aussi le risque de contracter la maladie. L'amélioration du comportement des usagers de la route est une préoccupation des acteurs béninois de la sécurité routière. Dans ce sens, des campagnes de sensibilisation sont organisées à l'endroit des différents acteurs de la route afin de réduire au maximum les risques d'accident. Les mécaniciens d'Angers à deux roues font partie de ces acteurs sensibilisés. Objectif, faire d'eux des ambassadeurs des bonnes pratiques routières. Précision. Enjeu majeur d'une libre circulation, la sécurité routière n'est pas encore une culture partagée par tous. Et malgré la diminution importante du nombre des victimes de la route ces dernières années, certaines organisations continuent de s'activer dans la prévention. L'une des cibles, ce sont les conducteurs d'engins à deux roues, en l'occurrence les mécaniciens. Les mécaniciens à deux roues constituent pour nous un vecteur de sensibilisation de transmission de messages à leurs clients et à leurs apprentis. Les deux roues constituent le type d'usager vulnérable de la route. Sont une proportion de 10 accidents impliquant les deux roues, on enregistre plus de la moitié qui rendent avec des conséquences très lourdes. C'est pour dire quoi? Il y a une implication massive des deux roues dans les accidents de la voie publique. Selon les Nations Unies, le nombre annuel de décès sur les routes devrait passer de 1,3 million à plus de 1,9 million d'ici 2020. C'est pourquoi il est important de faire des mécaniciens cyclomoteurs des ambassadeurs de la prévention et de la promotion de la sécurité routière. Vu qu'il n'y a plus de motos en circulation aujourd'hui, c'est-à-dire que les usagers de la route sont astreints à aller tant soit peu entretenir leur moto auprès de ces spécialistes. Alors lorsque ces spécialistes seront aguerris pour des notions de sécurité routière, ils seront non seulement eux aussi être à l'abri de la sécurité routière, mais aussi ils seront nos porte-parole auprès de la population. Je pense que c'est des couloirs de communication. Ils seront nos porte-parole, des relais d'information de sécurité routière auprès de la population et des comportements pourront changer. Pour client, à un temps passé chez le mécanicien, quelle que soit la panne, vous devez vous asseoir et va réparer votre moto avant que vous parliez. Parfois, les gens font toute une journée ou des jours. Alors, au lieu qu'ils diffèrent des échanges par rapport à d'autres domaines, ils peuvent commencer par parler du code de la route, c'est-à-dire les phénomènes, les thématiques de la sécurité routière à ses clients. Il doit pouvoir essayer de sensibiliser les usagers et rappeler aussi à leurs clients qu'il y a des comportements de normes à utiliser. La voix ne cesse jamais de communiquer avec ses usagers. Il revient maintenant aux usagers de prêter frein d'oreille à la voix et ainsi on aurait préservé un climat de paix. On aurait réduit la tendance de tuer dans le rang des deux roues dans notre pays. L'éducation et la participation de tous à la mise en place de solutions inédites deviennent impérieuses. Pour qu'à terme, le nombre et la gravité des accidents de la route dus aux engins à deux roues soient réduits dans la perspective de la mise en œuvre des recommandations des Nations Unies, en l'occurrence celles relatives à la décennie d'action pour la sécurité routière 2011-2020. 200 ans déjà que le roi Gezo a été sacré roi d'Abomey. Ses petits-fils et arrière-petits-fils célèbrent l'événement. Un bicentenaire qui a la particularité d'être célébré sur 4 années avec au menu plusieurs manifestations. Amitié Sagbidi, Marianne Bossemende. 2018, ça fait 200 ans que Dada Gezo est monté sur le trône de Rouibadja dans le temps romain. Et cette année, 200 ans, on a dit qu'il faut marquer l'événement. Et aussi pour appeler les uns et les autres à mieux nous unir. Cette année, 2018, et ça démarre le samedi 3 novembre prochain, et ça va durer 14 jours. À Abomey, à Parakou, à Djougou, à Cotonou, à Ouida et à Porto Novo. D'abord, cette année 2018, nous démarrons les manifestations du bicentenaire le samedi 3 novembre prochain, à Abomey, sous la présidence effective du chef de l'État, le président Patrice Talon. Et l'année prochaine, 2019, ce sera le rallye des Amazones. Pour rendre hommage à ces dames-là, ces braves dames-là, à Gaudier, de Dada Gezo. En 2020, ce sera les 60 ans de l'indépendance du Bénin et les 30 ans de notre démocratie. Et le président Patrice Talon a dit qu'il faut mettre le roi Gezo au centre de ces deux grands événements. Et puis 2021, nous allons inaugurer, le chef de l'État l'a dit,
tous ces grands musées qui sont en train d'être construits à Porto-Novo, à Abomey, à Ouida, à Alada, avec toutes ces ouvertures. Et ensuite, il y aura un grand colloque pour parler du règne, de la vie, de l'œuvre du roi Guizot. Nous avons aussi d'importantes séances théâtrales pour revivre des temps forts du roi Guizot sous son règne qui a duré 40 ans. Et nous convions tout le monde à venir à Abomey. Que vous soyez abomeyé ou pas, Dada Guizot, c'est une affaire nationale. Le rendez-vous est ainsi pris. C'est un artiste béninois qui navigue entre la peinture artistique et l'art plastique. Il nourrit des toiles à conception variée, inspirées par plusieurs thématiques. Patès, de son nom d'artiste, s'approprie les codes de la société, s'en amuse et sensibilise à sa façon. Qui est Patès? Eh bien, Patrick Adjagbodjou est allé à sa rencontre pour mieux découvrir son univers artistique, ses œuvres, ses tableaux, ainsi que son inspiration. Suivons ensemble. L'art plastique, c'est un voyage pour moi, un voyage de l'âme. Tout le monde ne veut pas faire de l'art plastique parce que l'art plastique, c'est quelque chose qui est multidimensionnel. Mes ambitions pour l'art plastique béninois, que je veux aller loin de là, de parler beaucoup de mon pays par rapport à ce que je sais faire. La peinture sur des toiles, c'est son métier. À l'intérieur de son atelier, le visiteur est embarqué dans un univers où chaque objet porte une énergie. Ici, l'artiste peint des toiles dont il ne connaît l'identité qu'après avoir fini l'œuvre. Tant que l'artiste ne finit pas l'œuvre, il ne peut jamais donner le titre de l'œuvre. Là où je suis maintenant, je ne veux pas vous dire que je sais là où je vais. C'est vers la fin ou bien c'est quand va finir l'œuvre que je peux donner le titre de l'œuvre. Patès, artiste plasticien polyvalent. Il puise dans le mélange de l'huile de ses tubes d'acrylique aux couleurs variées la portée artistique de ses créations. Pour lui, aucune œuvre d'esprit n'a de sens sans la peinture et les couleurs. Mon premier amour, c'est la peinture, c'est les couleurs. Sans ça, je ne vis pas. C'est ça qui me permet de pouvoir communiquer avec les autres. C'est ça qui me permet de communiquer avec le monde irréel. C'est ça qui me permet de communiquer avec les gens qui sont en face de moi. Sans ça, je ne peux pas communiquer. C'est une vie. Et c'est ma vie. Autodidacte, sa passion pour la peinture artistique est née en 2007. La finesse et la justesse de ses œuvres lui ont valu des expositions en Allemagne, en Chine et en France. Nous sommes dans un restaurant de Cotonou où ses œuvres sont exposées. Ses tableaux, vifs et porteurs d'émotions, reflètent la vitalité et la diversité de ses inspirations. Les hommes que vous voyez sur la toile, c'est les hommes braves de l'Afrique qui ne cessent pas de tenir le flambeau debout toujours en Afrique. Il y a encore des valeurs dans notre continent, dans notre pays, qui sont là, malgré tout ce qui va se passer, ils vont toujours rester pour construire leur continent, pour construire leur pays. Patès, une valeur ajoutée dans l'art contemporain béninois qui mérite d'être révélée. Patrick Adjagbodjou. L'Égypte et l'Allemagne ont signé un protocole de coopération économique d'un coût de 84 milliards de francs CFA à l'occasion de la réunion du comité de coopération germano-égyptien de Berlin. Le protocole concerne une initiative commune globale dans le domaine de l'éducation, l'enseignement technique et professionnel ainsi que l'éducation duale. Puis une déclaration d'intention visant à renforcer leur coopération dans le domaine de l'enseignement universitaire et de la recherche scientifique. Le protocole d'accord intervient également dans le domaine de l'industrialisation, d'aide à la formation professionnelle, de renforcement de la compétitivité des zones industrielles et d'accroissement de leur capacité à exporter.
le Fonds africain de développement octroie au Tchad un don de plus de 10 milliards de francs CFA pour soutenir la première phase de son programme d'appui à la relance économique qui débute en 2019. Le programme vise à appuyer les réformes visant à améliorer la gestion des finances publiques afin de créer une marge budgétaire plus propice au financement des investissements publics qui tirent la croissance hors pétrole au Tchad. Le programme entend aussi soutenir des réformes visant à créer un climat plus propice aux investissements privés. Il s'agit de mesures à même de faciliter l'exécution des contrats, l'application des décisions de justice, l'obtention des permis de construire, la délivrance de titres fonciers et d'améliorer la gouvernance du sous-secteur de l'énergie électrique. C'est tout pour l'édition de ce soir. Merci pour votre aimable attention. Agnate Bello, à vous le plateau. Voilà, Yves Balogo, merci pour toutes ces informations. Nous vous souhaitons par anticipation un excellent week-end. Mesdames et messieurs, le grand rendez-vous, quant à lui, se poursuit. Vous le savez, c'est l'heure de la revue de l'actualité web. Médecins spécialistes ont préféré quitter le service public béninois pour résister en clientèle privée. Une décision qui fait suite à l'injonction du gouvernement leur imposant un choix à faire entre le privé et le public. Cette décision du gouvernement est partie d'un constat. La plupart des médecins en service dans le secteur public et régulièrement payés aux frais de l'État sont très souvent absents à leur poste mais régulièrement présents dans leur cabinet privé. L'agence ECOFIN nous donne la liste des 10 pays pourvoyeurs d'investissements directs étrangers IDE vers l'Afrique en 2017. Selon l'édition 2018 de l'étude Atraftines Programme Africa, les États-Unis arrivent en tête avec 130 projets financés. Avec 61 projets recensés durant l'année écoulée, la France occupe le troisième rang. Vient ensuite la Chine avec 54 projets. Le même article nous informe que pour les investissements intra-africains, l'Afrique du Sud et le Maroc restent les principaux investisseurs sur le continent africain. Aux États-Unis, Donald Trump autorise l'armée à faire feu sur les migrants. L'armée américaine pourrait être amenée à tirer sur les migrants tentant d'entrer illégalement, mais également si ceux-ci jettent des pierres sur les soldats. Alors que plusieurs caravanes de migrants centra-américains font actuellement route vers le pays de Long Sam, Donald Trump multiplie les annonces susceptibles de mobiliser les électeurs, notamment sur le thème de l'immigration. Il a par ailleurs déclaré que les États-Unis n'accepteraient plus de demande d'asile de la part d'une personne n'étant pas passée par un poste de frontière officiel. Le Japon ouvre ses portes aux travailleurs étrangers. Face à une pénurie de main-d'œuvre, le Japon prévoit la création d'un nouveau visa. Ce nouveau statut de visa permettra en théorie aux immigrés d'entrer sur le territoire japonais pour y travailler durant 5 ans. Certains travailleurs pourront même faire venir leur famille et obtenir un visa permanent. Ce programme inédit doit permettre de faire entrer des travailleurs moins qualifiés dans les secteurs comme la restauration, le bâtiment, le soin aux personnes. Confronté à la pénurie de bras valides, le premier ministre japonais souhaite faire entrer en vigueur le nouveau dispositif le plus vite possible. Fin de cette revue web, on vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités. Voilà, merci à vous Evra Anani pour cette fouille minutieuse de la toile. C'était un plaisir de vous avoir entendu sur cette revue de l'actualité web, le rappel de la météo à présent.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour le grand rendez-vous de ce vendredi. Nous vous laissons avec cette citation, cet adage plutôt, que vous connaissez déjà certainement. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Bon week-end à vous et autour de vous.